Dans son atelier de l'école des beaux-arts, Alexandre Cabanel poursuit un enseignement traditionnel fondé sur la pratique du dessin. Durant les années 1870, ses élèves sont largement présents lors des concours et remportent de très nombreux prix. Avec l'appui de ce maître puissant, Émile Jupe Pichot est distingué en 1879 par une place d'honneur au prix de Rome sur le sujet de la mort de Démosthène. L'épreuve récompense la maîtrise des principes académiques où prime l'exactitude, la composition et le dessin. Pichot se montre d'abord fidèle au récit de Plutarque. Démosthène, pourchassé par des soldats macédoniens, se donne la mort dans un temple après avoir mordillé l'extrémité empoisonnée de son calame. Par souci de clarté, la composition est organisée autour des deux acteurs principaux de l'épisode, Démosthène et le traître Archias, placés de part et d'autre de l'autel de Poséidon. L'austérité de la palette met en évidence les qualités du dessin. Le visage de Démosthène mourant concilie la copie d'après l'antique avec l'étude du modèle vivant et son corps étiré, main crispée, n'est pas sans beauté dans l'expression de la souffrance héroïque.